Good morning, Aleiden. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 Adar Aleph 5776. Et l'étude d'aujourd'hui sera l'Elu Nishmat Rivka Bat Sarah, l'Irfuat Sima Bat Masouda, et l'Izhut Rivka Bat Martin Miriam, le Ben Zahar Bekarov Bezat Hashem. Et on commence le Perek Rishon Mishnah Dalet, la dernière Mishnah du premier Perek. Chamisha Tamin et Chamisha Mouadin, Abehema Eda Mouedet Loligach. ולא לגוף, ולא לשוח, ולא לרבוץ, ולא לבעות, השן מועדת ליכולת הראוי לה, הרגל מועדת לשבר בדרך חילוכה, ושור המועד, ושור המזיק, ברשות הניזק והאדם. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלז והנחש, הרי אלו מועדים. רבי אליעזר אומר, בזמן שאין בין התרבות אינן מועדים, והנחש מועד לעולם. מה בין טעם למועד? אלא שהטעם משלם חצי נזק מגופו, ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. On a déjà introduit que le premier perek de Baba Kama est une introduction de tous les nézikim, de toutes les formes de dommages qu'on peut réaliser. Ouais, Achor, Vavor, Vamavé, Vaevr, toutes les formes de nézikim. On a appris à les différencier, on est rentré dans plusieurs généralités. Et puis là, la dernière Mishnah commence maintenant à nous faire entrer dans le vif du sujet, dans les présentations maintenant concrètes des particularités des différents dommages qu'on peut avoir. Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que la deuxième partie de la Mishnah, Hashem Moedet, depuis Hashem Moedet Lechol et Taro, là, on va voir qu'il y a cinq cas qui vont faire en fait l'objet d'une deuxième Perek de Baba Kama, où on reprendra chacune des phrases. Et on fait un zoom dessus en expliquant davantage les caractéristiques de chacun des nézakim. Déjà, on va commencer maintenant à expliquer la première partie de la Mishnah avec Chamisha Tamin et Chamisha Mouadin, où on va commencer par mettre le focus sur Keren, encorné avec la corne. D'ailleurs, Keren, corne, je ne sais pas si vous faites attention, c'est les mêmes lettres. Keren, corne. Encorné. La Torah a préciser que pour spécialement le nézek de Keren, il y a une particularité que quand le taureau commence à encorner, pour les trois premières fois, on ne paye que Khatsi Nezek, la moitié du dommage, et à partir de la quatrième fois, on payera Nezek Shalem, le dommage plein beau. Pourquoi ? La Gemara explique qu'en réalité, le Chiyuv, l'obligation de régler un ézec provient du fait que je n'ai pas gardé mon animal, j'aurais dû le surveiller, je ne l'ai pas surveillé. Or, encorner, ce n'est pas dans la nature d'un animal, en temps normal. En théorie, j'aurais dû être complètement dispensé de payer à partir du moment où mon animal pique une crise en pleine rue et commence à encorner ceux qui sont autour de lui, j'aurais dû être pas tour de payer complètement. Parce que je m'appelle Anus, malgré moi ça se passe. Malgré tout, la Torah a dit, tu sais quoi, paye quand même Khatsi Nezek. Pourquoi ? Comme ça, tu vas faire un peu plus attention. C'est vrai que tu es pas tour si tu le surveilles. Mais si jamais tu as ça, tu gardes en tête que parfois ton animal est plus excité, donc tu vas mieux le tenir pour mieux préserver même ces cas, on va tous gagner. Comme ça, dans la rue, il y aura moins de danger public. De ce fait, la Torah nous a dit, tu payes quand même Khatsi Nezek. Mais après trois fois, alors on considère que l'animal a changé de nature. On expliquera bien évidemment tout ça dans le Perek Dalet, Hey, Perek Revi, Hamishi, le 4e, 5e, ce sera amplement détaillé. Malgré tout, là, on introduit un petit peu les généralités pour commencer à mieux les palper, mieux les manipuler. D'accord ? Maintenant, un autre détail. On a aussi expliqué depuis la première Mishnah déjà que dans les Nezakim, dans les dommages, il y a des cas types et des cas dérivés. C'est-à-dire, quand la Torah m'a dit, tu dois payer parce que ton taureau en corne, alors quand on entend le mot corne, on n'entend pas forcément la corne suspendue sur sa tête blanche qui fait un dommage. Mais on a un regard un peu plus profond pour réaliser qu'à partir du moment où l'animal a une intention, a l'intention de causer un dommage, avec envie de faire du mal, alors ce sera considéré comme une corne. Donc finalement, l'animal peut causer un dommage en encornant, bien sûr, ou bien même en mordant sauvagement, en donnant un coup de pied parce qu'il s'énerve, en poussant avec son corps. Il peut aussi voir des
des objets par terre et partir, s'allonger dessus pour tous les casser. C'est les 4, 5 cas, en fait, que la Mishnah va nous présenter pour nous dire, sache que dans tous les cas, tu payeras que Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, parce qu'on considère que ton taureau est encore tam, simple, comme un simplet, quelqu'un de simplet en hébreu, on dit qu'il est tam, tamim. C'est la même idée. Un taureau qui est pas censé, qui est censé être intègre, gentil, à partir du moment où il en corne, alors là on considère qu'il a, il a changé, ça a été un accident, un imprévu. Par contre, après 3 fois, il devient mouad, averti. On avertit le propriétaire au Beddin, on lui dit, surveille désormais ton taureau, parce que ton taureau, il a changé sa nature, c'est devenu un excité. D'accord? Donc c'est la première Mishnah, la première partie de la Mishnah, la Reisha qui nous explique. Chamisha tamin ve chamisha mu'adin. Il y a 5 cas de nézek qui peuvent être réalisés avec, où on considérera le taureau comme un tam, comme un simplet, et 5 cas où il sera mu'ad, il a averti de causer un dommage. La Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah, la Metsiata, va en fait détailler 5 cas, ou pas forcément avec le Keren, 5 cas où on paye plein pot depuis le début, parce que ton taureau, ton taureau est averti depuis le début, tu es prévenu depuis le début que ton taureau est capable de faire un tel dommage, comme on l'expliquera ensuite. Abehema ena muedet, l'oligach, veloligof, velolishoch, velolirbots, velolivot. L'animal n'est pas averti, ni de, d'encorner, ligach, negicha, encorner. Veloli gof, mais la chose gouf, poussé avec son corps. Veloli shor, comme neshicha, mordre. Veloli rbox, de se coucher sauvagement avec l'intention de casser des objets. La Gemara explique qu'on ne parle uniquement des objets qui sont volumineux. Par contre, des petits objets, l'animal, il les casse très fréquemment. Veloli vrot, de donner des coups de pied. Donc, dans ces 5 cas, si l'animal s'est mis à donner un coup de pied sauvagement, à pousser quelqu'un avec son corps pour le faire tomber, mordre un animal ou un homme, bien sûr, dans tous les cas, on ne payera que Khatsi Nezek parce qu'on considère le taureau comme tam. Ça, c'était pour les Khamisha Tamin. Par contre, il y a aussi le cas de Khamisha Mu'adin. 5 cas où le taureau est averti depuis le début. Alors, il y a tout d'abord, ce sera en fait le troisième cas qui sera rapporté, mais les 5 cas qu'on a évoqués, à partir du moment où le taureau est devenu, a pris l'habitude de le faire, alors dans tous ces cas, on considérera que le taureau est devenu désormais Mouad, averti de le faire. Et en fait, c'est ce qu'on dira ensuite, quand on dira Shoah Mouad, on inclura dans le Shoah Mouad les 5 cas en même temps. Mais la Mishnah, avant de nous faire rentrer déjà dans le Shoah Mouad, la Mishnah préférait d'abord nous parler de ceux qui sont Mouad depuis le début, qui sont Hachem Mouedet les Choleta Mawila, Aregel Mouedet les Shaber Beder Echilucha. Le Shen, c'est la dent. La dent est Mouedet, on est averti. L'animal est averti de causer un dommage avec ses dents, c'est-à-dire partir manger, de manger tout ce qui est raouila, tout ce qui lui est apte, les aliments qu'elle a l'habitude de manger quand elle a faim, même en cas de grande faim, où elle va se mettre à manger un animal qui est un aliment qui est un petit peu différent de son habitude, malgré tout, si elle le mange, elle sera considérée comme moine. Par contre, si l'animal mange quelque chose qui est vraiment quelque chose d'inhabituel, par exemple, je ne sais pas, moi, un mouton qui va se mettre à manger un petit chat parce qu'il a faim, alors là, c'est vraiment une exception trop différente. Et dans ce cas-là, on ne payera pas Nezek Shalem, on ne payera pas plein pot, comme un cas classique de dents, de chêne, mais on payera plutôt Khatsi Nezek, comme ce qu'on expliquera dans le Perek Bet. Je me préfère ne pas allonger pour le moment dessus, pour ne pas donner trop de données d'un coup, sinon on ne va rien retenir. D'accord? C'est ce qu'on appellera Meshune, quelque chose d'imprévu. On l'expliquera mieux quand on arrivera au Perek Sheni. Arigel Mouedet les Chaber Bederech Ilucha. De même, le pied, les Nezakim avec le pied, quand l'animal marche de manière tout à fait normale, naturelle, habituelle, et sur son chemin, elle emporte avec elle des objets, elle les fait tomber, elle les piétine. Alors Arigel Mouedet les Chaber Bederech Ilucha. Le pied est considéré comme averti de causer des dégâts pendant qu'il marche Bederech Ilucha, comme c'est son habitude de marcher. Et le troisième cas maintenant, c'est Shora Mouad. Alors c'est ce qu'on a expliqué dans les 5 cas évoqués au début, que dans ces 5 cas de encorner, mordre, pousser avec son corps, se coucher ou bien donner des coups de pied, si l'animal a pris l'habitude de le faire après 3 fois, alors il s'appellera Mouad, il a averti de le faire. Donc dans ces 5 cas, ce sera encore 5 cas où on payera Nezek Shalem. Et là, attention, il y a un cas un peu particulier. Veshor Amazik, Birshut,
an Isaac. C'est quoi Shor Amazik Birchot an Isaac? Shor Amazik, alors, on parle à nouveau de Keren, mais que cette fois-ci, c'est un Keren Tam, non averti, ouais, qui est encore simplé, qui rentre dans le Rishout, dans le domaine du Isaac, de l'endommager et que la belle est cause d'endommage. Ce détail-là sera amplement détaillé, amplement discuté, même dans le Perek Bet, quand on y arrivera. Mais en tout cas, l'idée, elle est comme ça. Il est vrai que mon taureau doit payer que Khatsi Nezek, que la moitié du Nezek, quand il commence à changer de nature, mais ça, c'est à quelle condition que ça lui prend quand il est Birchut à Rabib, dans le domaine public. Par contre, si mon taureau rentre chez le voisin, Rabbi Tarfon apprendra qu'il devra payer Nezek Shalem plein pot depuis le début, et Chachamim, on apprendra qu'il y a une discussion sur le sujet. Mais on est dans le Mishnah des généralités, donc on ne rentre pas trop dans les détails. Veshor Amazik Veshot Anizak, et bien évidemment le cinquième maintenant c'est Veha Adam. D'accord? L'homme. L'homme est toujours Mouad, Adam Mouad Leolam. Ce sera aussi bien expliqué dans le deuxième Perek. Azeev Vehari, Vehador, Vehadov, Vehanamer, Vehabardelas, Vehanachash, Are Elo Mouadin, Rabbi Lezer, Omer, Mezan Shemene Tarbut, Enan Mouadin. Vehanachash Mouad Leolam. Là c'est la troisième partie de la Mishnah. Où la Mishnah nous enseigne qu'il y a différents animaux qui sont considérés comme Mouadin Mitrilatad, où il ne passe pas cette première période où on le rend Khayav juste à Tinezek, mais depuis le début, il doit directement payer Nezek Shalem, qui sont des animaux sauvages. Azeev, si c'est sauvage dans leur nature, mais que malgré tout, quelqu'un les garde en animal chez soi. Azeev, quelqu'un qui a son petit loup, il se promène avec un loup dans la rue. Vehari, un lion. Adov, un ours. Vers Namer, attention, Namer, même si en hébreu on traduit toujours Namer à la panthère, rose ou noir, malgré tout, en hébreu, dans le Shana Kodesh, dans le Navi, le Namer, c'est le tigre. Bah, Bardelas, alors Bardelas, c'est le Yachim, on explique, c'est le léopard. Vers Nachash et le serpent. Donc on a six animaux qui sont Mouadil, Mitrilatan. Même si quelqu'un pense les dompter, Aré et Lou, même quelqu'un pense les dompter et les garder en tant qu'animal domestique, malgré tout, ces animaux-là, s'ils causent des dommages Birchut HaRabim, depuis le début, ils payent des HLM parce qu'ils sont indomptables. Rabbi Eliezer Omer, non, je ne suis pas d'accord. Parce que Bizon Tchian Bené Tarbout, lorsque ces animaux sont Bené Tarbout, Tarbout c'est la culture, Bené Tarbout ça signifie qu'en fait on réussit à les dompter, dès qu'on a réussi à les dompter, Rabbi Eliezer pense qu'ils sont Enan Mouadin. Ça devient des petits chatons avec des crinières. Mais malgré tout, Vernachash, Mouad Lola, malgré tout, il y en a un, le symbole, l'emblème du mal dans le monde, le Nachash, que toute l'humanité souffre à cause de lui. Le Nachash, lui, il est Mouad Lola, à grande enseigne que c'est un animal qui, malgré lui, est obligé de mordre et de faire du mal. Indomptable. Vernachash, Mouad Lola, même d'après Rabbi Eliezer, d'accord? Maintenant, la Mishnah se finit avec Ma ben tam les mouad. Maintenant je te parle de tam et de mouad. Alors en fait, nous on a mentionné une particularité en disant que le tam paye khatsi nezek et le mouad nezek shalem, plein pot. La Mishnah nous précise encore un deuxième détail. Elle achète ma ben tam les mouad. Quelle différence entre le tam, un shor tam et un shor mouad? Un animal tam, un taureau tam ou bien un taureau mouad. Elle achète tam mais shalem khatsi nezek migofo. Le tam, le simple. Dans ses trois premières fois, il ne paye que Khatsinezek et Migoufo. Il ne paye que la moitié du dommage et aussi avec responsabilité, comme un paiement à responsabilité, jusqu'à la valeur de son corps uniquement. C'est-à-dire, si un taureau coûte 200 shekels et cause un dommage de 10 000 shekels, avec un kavanatolazik, avec intention de cause un dommage, quelque chose qui coûte 10 000 shekels, 10 000 euros. Donc premièrement, d'abord, il n'a payé que la moitié, 5 000 euros. Mais attention, même ça, c'est avec responsabilité jusqu'au prix de son corps. Puisque lui, il ne coûte que 200 shekels euros, donc il ne payera que le prix de ce qu'il vaut, et c'est tout le reste. Caparat à votre note, c'est la faute à pas de chance. Qui dit merci quand même sur les 200, puisque comme ce qu'on a expliqué, en théorie, on devrait être pas tout complètement. La Torah a dit paye lui quand même un petit peu. D'accord? C'est aussi une autre manière d'approcher la halakhot. Ou Mouad, Meshalem, Nezek Shalem, Mina Aliya. Tandis que le Mouad, maintenant, le taureau Mouad qui est averti, lui, il devra payer Nezek Shalem,
Mina Aliyah, plein pot, et aussi Mina Aliyah, ça signifie Mina Meoulé chez Min Chassad, avec les meilleurs de ses biens, comme ce qu'on avait appris dans la première Mishnah et la deuxième Mishnah, où il fallait payer Bebeika Varet avec la meilleure de ses terres, la plus fertile. D'accord ? On fait maintenant le Barthénoir. Chamisha Tamin. C'est quoi les tamines chez Enam Regalim Lazik qui n'ont pas l'habitude de causer un dommage, des Mizuko Meshalmin Khatinezek. Et s'ils ont causé un dommage, ils ne vont pas payer que Khatinezek. Des Khamisha Mouadin chez Enam Regalim Lazik au Meshalmin Nezek Shalem. L'oligarque. Ouais, bon, vous avez compris sûrement la traduction. Des Khamisha Mouadin qui sont 5 avertis, qui ont l'habitude de faire un dommage, au Meshalmin Nezek Shalem, dans ce cas-là, ils vont payer plein pot. Nezek Shalem entièrement. L'oligarque, comme ce qu'on expliquait, ils n'ont pas l'habitude d'encorner Bekeren. Veloligof. Ils n'ont pas l'habitude de ligof, parce que ça veut dire quoi le mot ligof? Drifat kol hagouf, pousser avec tout son corps. Vekulhu avu tolda de keren ou beshalmin ou chatsinezek. Tous ces cas-là sont des dérivés de keren, où il faut payer sur eux chatsinezek, la moitié du dommage. Arei chamisha tamin, donc ça nous fait déjà 5 tamin, 5 cas de tam, de donc on ne paye que la moitié du nezek. Veshor amouad, shalosh pamim ligar, o ligof, o lirvot, o livot. Donc le Barthénoir nous explique le troisième cas, comme ce qu'on expliquait, que Shor Amouad s'implique en fait les 5 cas de Tam qui sont devenus Mouad. 3 fois, il a encore des poussées avec son corps, il s'est couché sur les ustensiles, il a donné des coups de pied ou il a mordu. Arei en Chamisha Mouadin le Shalem des Ekshalem, les 5 sont devenus des Mouadin pour payer maintenant des Ekshalem, entièrement, le couvrir tous les frais. Le gabé mouad, chachiv le ouchad, et malgré tout, dans cette Mishnah-là, une fois que je t'ai détaillé les 5 cas de table, tu es capable maintenant de les inclure les 5 en un et comprendre que ça fait un seul. Mais Shor Amazik Groshot Anisak, dans la Filokeren Tama, Barthénoir nous enseigne, même si c'est un Keren Tam, un Shor qui était encore Tam, simple, malgré tout, il doit payer des Ekshalem s'il est entré dans le Groshot Anisak, avec moi des Ekshalem des Ekshalem. On va te dire, Natia Keman de Amar, Mishuri Keren Bechassar Anisak, Mishalem et des Ekshalem. Le Barthénoir nous précise, cette Mishnah va d'après l'avis qui pense que, à partir du moment où on rentre dans le Nezek Shalem, dans le Rishut Anisak, l'animal doit dans tous les cas payer Nezek Shalem, malgré tout, la halakha ne sera pas comme ça, comme tu l'apprendra. Veha Adam ave moad mitrilato nami, ou Meshalem, Nezek Shalem, imezik. L'homme est aussi toujours considéré comme moad mitrilato, il est averti, même quand il ne fait pas exprès, on l'apprendra dans les détails, dans la dernière Mishnah du Périmètre. Azev, Vehari, Vehadov, Vanaber, donc Mouadin Mitrilatan, ils sont tous considérés comme Mouad, comme averti depuis le début. Vehad, lo chashiv leu bichlal chamisha Mouadin Dele'el. Maintenant, c'est la petite question. Pourquoi tu ne les as pas inclus depuis le début? Il fallait me dire qu'en fait, 11 cas de Mouad, pourquoi tu me dis qu'il n'y a que 5? Vele avou et chadassar Mouadin. Et donc, ça aura fait 5 cas de Mouad. Mishum dané lo shriche baishuv. La Mishnah a voulu juste nous donner des généralités de cas classiques qu'on trouve. C'est fréquent ce type de réponse hein, dans la Mishnah, étant donné qu'à l'époque on apprenait les Mishnayot par cœur, et pour pouvoir les utiliser facilement, alors il fallait se souvenir qu'il y a 5 cas fréquents. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, on rentre dans les détails, mais comme ça c'est plus facile à retenir, d'accord? Bardelas, Raya Shekurin, la Baravi, alors on va laisser ceux qui parlent en arabe pour l'exemple de dire, El Tzida. Rabbi Eliezer, Omer, Ved Alachak Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, c'est lui qui a dit que non, c'est possible de dompter, d'éduquer ces animaux même sauvages, sauf le nafash. Et la dernière partie de la Mishnah, que dans tous les cas de Mouad, il faut payer Mina Aliyah, mais Idit Shemin Chassav. Ça veut dire quoi? Mina Aliyah, mais Idit Shemin Chassav, le meilleur de ses biens. Dafilo en anogar shave shiur anezek. Et même dans le cas où le taureau qui encore ne vaut pas la valeur du nezek. Parce que là, il est Mouad. Des Mouad ktiv yeshalem shor tachatashor. Mais l'octive B, des bigouf adogar ifra, parce que dans le cas du taureau mouad, la Torah insiste qu'il faut couvrir tout le nezek, et la Torah n'a pas précisé qu'on était juste limité à la valeur du taureau uniquement. Ça c'est quand il est mouad, mais par contre quand il est tam, c'est quand on a expliqué qu'on ne paye qu'à responsabilité jusqu'au prix de la valeur du taureau. C'est tout pour aujourd'hui. Kol tu sela.